Je vais rentrer. Hop, comme ça, ça sera fait. Oh là là, yes. J'ai enfin réussi à me débarrasser du lit rose. Hop, je vais mettre ma valise là, comme ça. Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super content de faire. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe parce que là vous avez dû voir le titre, vous êtes peut-être un peu choqués tout ça de ce qui est en train de se passer. Je démarre vraiment la vidéo comme ça au hasard, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Je dois vous parler d'un truc ultra important parce que... Mais c'est bizarre là, je viens de prendre la chambre d'hôtel, il y a déjà des trucs. Non mais c'est quoi ça? Il y a déjà des... Mais c'est pas normal ça. On dirait qu'il y a des gens qui se sont déjà installés. Non mais c'est quoi ce truc? Attendez, regardez, il y a du chocolat et tout. Non mais c'est quoi ça? Là-bas, il y a des affaires. Il y a une valise ouverte. Bon bref, je dois vous parler d'un truc, peu importe, je vais rester ici, j'ai vraiment pas le temps. D'ailleurs, je vais rentrer dans la chambre, comme ça résonnera moins. Donc les amis, ce qui est en train de se passer, c'est que j'en peux plus de Lily Rose. Bon, vous nous voyez en vidéo, tout ça, on s'amuse, franchement c'est cool, on passe des bons moments. Sauf que là, elle a fait un truc, je ne m'en remets pas. Elle est allée dans ma chambre, qu'on vous a jamais montré, tout ça, parce que voilà, je peux pas vous montrer ma chambre, parce que Lily Rose fait à chaque fois le bazar à l'intérieur, du coup on peut pas la montrer. Là, elle est allée dans ma chambre, elle a tout retourné, elle a pris plein de... Je sais pas si vous voyez comment ça s'appelle là, tous mes chargeurs, etc., les trucs pour brancher les téléphones, elle les a pris, elle les a jetés à la poubelle, elle a pris plein de pop-it, elle les a jetés par la fenêtre et tout, de ma chambre, enfin bref, j'en peux plus d'elle, donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui qu'on allait se séparer. Donc le duo Lily Rose et Esteban, c'est terminé, je vous le dis, parce que là j'ai pris un appartement, je vais rester ici pendant quelques temps, je vais vous dire des nouvelles, je sais pas si vous reverrez Lily Rose. D'ailleurs c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais attendez, je reconnais ces trucs là, ces lunettes là. Attendez, 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 c'est quoi ça? Non mais même cette valise. Attends, ces vêtements là, Lily Rose a exactement les mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, oh, mais c'est le sac d'école de Lily Rose. Et c'est son doudou ça. Non mais ça c'est son téléphone. Mais qu'est-ce que ça fait là? Là ça fait beaucoup de hasard hein. C'est pas possible. Me dites pas que Lily Rose est au courant de tout et qu'elle est venue s'installer dans ma chambre avant moi. Non mais c'est sûr que c'est ça. Et les affaires, ça tombe, ça fait déjà plusieurs heures qu'elle est là. Oh, non, c'est pas possible, je voulais lui échapper. Bon, je vais me cacher. Je vais me cacher dans la salle de bain, les amis. Je veux pas qu'elle m'entende. Hop, désolé pour la lumière. Oh, punaise. J'ai pris une chambre d'hôtel super loin de chez nous pour m'échapper, pour plus qu'elle me trouve. Il faut que je sois sûr que ça soit elle. Je vais fouiller dans le téléphone, je vais fouiller dans le téléphone. Si c'est le bon code déjà, parce que je connais son code de téléphone, c'est sûr que c'est elle. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas comment elle a su que j'allais venir ici, mais ça veut dire qu'elle prépare d'autres trucs, parce que, pour tout vous dire, c'est aussi pour ça que je pars. Je vais vérifier que c'est bien le code. Oh, c'est bien le code. C'est bon, c'est déverrouillé. Regardez. Oh punaise, c'est pas possible. Comment... Je vais regarder ses photos et tout parce qu'à mon avis il y a des trucs louches. Donc je vous disais, j'ai découvert un truc dans son journal intime. C'est qu'elle prévoyait pendant tout le reste des vacances, c'est-à-dire pendant encore 2 semaines, de faire énormément de bêtises à la maison. Dans un seul but, c'est que Peppa Pink soit en colère contre moi et qu'elle soit la préférée des frères et sœurs, mais on n'est que deux. Donc elle voulait être la préférée pour qu'ensuite je doive partir de la maison. Donc ça m'a énervé. Voilà, je vais vous prouver que c'est son téléphone. Regardez. Il y a une photo d'elle à l'intérieur, bon c'est elle déformée, je vais essayer d'en trouver une autre. Désolé aussi les amis, hein, je parle un peu bizarrement, je suis un peu malade. En même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis un peu fatigué. Bon attendez, je vais regarder parce que dans cet appartement, il y a clairement plusieurs chambres. Donc je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres personnes, parce que ça tombe, elle se cache ici. Elle se cache et elle m'attend pour me faire des trucs encore pires. Attendez, je vais vérifier. Il y a quelqu'un ? Eh oh! Non, il n'y a personne dans cette chambre. Bon, je vais pas tout vous montrer, parce que bon, c'est pas chez nous non plus, quoi. Je pensais pas faire une vidéo, mais il fallait que je vous prévienne. Bon, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher. Je vais prendre ma valise, d'ailleurs, qui est juste là. Voilà, j'ai dû prendre le train et tout pour venir jusqu'ici. Je pensais être tranquille, qu'elle me retrouverait pas. Et voilà, ça lui aurait donné une bonne leçon. Je vais me cacher dans la salle de bain. Hop, comme ça. Voilà. Et quand elle va revenir, je vais vous la montrer. Et on va avoir des explications, parce que moi, je vous dis... Je vais pas me laisser faire, c'est sûr. Et attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Le téléphone rouge? Non mais c'est pas moi qui l'ai ramené ça. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, le téléphone rouge c'est un téléphone qu'on avait trouvé par terre. Et
Des fois, il y a des gens qui nous appellent dessus, des inconnus, et qui nous donnent des rendez-vous du genre « Venez à cet endroit ». Des fois, on entend des bruits de fantômes qui sortent du téléphone. Tout, c'est un téléphone trop bizarre. Je sais pas pourquoi elle l'a ramené ici. Surtout si elle comptait me faire un prank. Surtout que je le connais, le téléphone. Bon, bref. Ça, on verra peut-être dans une autre vidéo, parce qu'à mon avis, avec ce qui se passe, je vais pas en faire qu'une. Hop, je m'enferme ici, je ferme la lumière, et on se retrouve tout de suite. Puis j'ai peur. Là les amis, ça fait 1 heure que j'attends dans les toilettes, j'ai joué à des jeux sur mon téléphone et tout, j'espère que vous m'entendez bien. Et là j'entends des bruits. J'ai laissé ma valise là, je vais aller voir ce qui se passe, je suis quasiment sûr que c'est Lily Rose, j'ai entendu des petits pas, donc c'est sûr qu'elle sait où je suis venu. À mon avis, elle a pris mon téléphone, elle a vu que j'avais réservé cette chambre d'hôtel, et elle a demandé à Peppa Pig de venir en urgence ici, en me disant que j'allais faire une bêtise, en lui disant que j'allais faire une bêtise. Attendez. Lily Rose, je sais que c'est toi. Lily Rose, tu me fais un prank là? Lily Rose, t'es où? Eh oh! Ok, elle est pas là. C'est quoi ça? Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que ça fait ici? Pourquoi il y a des pop-it? Ils étaient pas là tout à l'heure. Non mais c'est n'importe quoi, attendez, je vais les ramasser. Mais qu'est-ce que ça fait ici? C'est pas possible. Les amis, je vais aller dans la chambre d'à côté. C'est pas possible, elle est rentrée. Elle sait que je suis là. Elle sait que je suis là. Elle connaît l'horaire où je devais arriver. Et elle est en train de jouer avec moi là, c'est sûr. C'est sûr. Et ce téléphone rouge qui est toujours là, je sais pas pourquoi elle l'a pris. C'est une blague. C'est pas possible. Je viens d'ouvrir le téléphone rouge là. Je viens de voir un truc de fou. Désolé, vous me voyez bizarrement. Elle a comment. Regardez. Elle a commandé des pop-it avec ce téléphone. Et avec ma carte en plus. Non mais elle fait tout pour me gâcher la vie en ce moment, c'est pas possible. En plus avec le téléphone rouge. Parce qu'elle sait très bien que je déteste le téléphone avec tout ce qui s'est passé avec. Bon là les amis, franchement j'en peux plus. Je suis épuisé. Comme vous l'entendez, j'ai un rhume et tout, c'est pas possible. Lily Rose, si tu vois cette vidéo, parce que je sais que tu la vois, t'inquiète pas, c'est pas terminé. Je vais rester dans cette chambre, je vais pas partir et je vais pas revenir à la maison. Ah peut-être qu'elle est... Attendez, peut-être qu'elle est cachée ici. Lily Rose, je sais que t'es là. Non, c'est pas ici. En plus, elle a déjà mis ses affaires. Non, mais elle fait tout pour me gâcher, hein. C'est pas possible. Ce que je vais faire, parce qu'elle a laissé toutes ses affaires, déjà, dans un premier temps, je sais comment l'attirer. Je vais prendre son téléphone, voilà, et je vais prendre les pop-it, parce que ça, c'est sûr qu'elle va en vouloir, surtout son téléphone, parce que là, on est loin de chez nous, elle en a besoin pour parler à ses amis, et si elle l'a pas, elle va râler. Donc, je sais comment l'attirer, Liros, si tu vois cette vidéo, je sais comment t'attirer, et je sais que dans une prochaine vidéo, je vais me venger parce que t'as voulu gâcher la période que je voulais tranquille, voilà, sans toi, sans tous les problèmes et tout. Je m'étais pris un peu de vacances, tout gâché. Bon, en tout cas, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus rien là. Même moi, je suis fatigué, je vais aller me reposer. On se dit à la prochaine, bye bye pour une histoire peut-être encore plus folle et peut-être avec plus de pop-it, qui sait.